Arrête la recherche. Non mais vous tryhardez trop, vous. J'en peux plus. Non mais je vais pas attendre 1000 ans pour trouver un adversaire quand même. Allez. Regarde les réglages de ta box. Il y a une mage programmée normalement. Ça te fait un lag. Vérifie que ce soit pas à cette heure-ci. Ça expliquerait la récurrence. Ah, peut-être que tous les lags sont à la même heure. C'est pas impossible. 22h47, ça semble plausible. Je vais garder backstab. Ils ont toujours les T1 maintenant, les guerriers. Donc je garde le backstab pour activer le pillage. Quoique. Parce que du coup, c'est dag sur 2, tuck sur 3. Et après, si je top avec n'importe quel T1, je peux activer le pillage. Je vais l'enlever quand même. J'ai envie d'augmenter mes chances d'avoir. Oh, c'est joli ça. J'ai envie d'augmenter des chances d'avoir sprint ou élément en fait. Ok. Je regarde des streamers qui utilisent leur 4G, ils ont toujours systématiquement une coupure à partir de 2h30, 3h de stream. Hé! J'ai eu une déco à partir de 2h40. Ça serait fabuleux comme coïncidence. Du coup, on tape parce qu'on fait tug, tape et prep, pillage, pioche, tape. Vas-y, mais il était rang 1 légende, genre avant-hier. On fait pas prep-pillage maintenant parce qu'on pourrait toujours top decker un Van Cleef. Donc on garde pour le buff potentiel. Bon, je crois que ça m'arrange vu ma sortie que ça soit une version bombe. Bon, les deux backstab en back-to-back, par contre, ils peuvent aller mourir. Hein. Remonte pas le thug, mec. Remonte le matelot, bro. Ah, les deux backstab, ils font mal. C'est hérisson jaune. Allez, s'il te plaît. C'est important, là. C'est bon, ça. Ça, c'est bon, ça. Oh putain de merde, ça c'est bon aussi. Ok, donc. D'accord, c'est Revis. Oh, j'ai bien pioché, j'ai bien chaté. Pour l'instant, c'est chocolat. Pour l'instant, c'est l'esprit chocolat. Oui, il n'y a plus de musique. Attendez, je vais remettre la musique du jeu. Le tuc qui s'envole! Incroyable! Verte peau poison, ça a pas l'air dégueu. Full fish. On pourrait gérer lui pour éviter un Zilliox. On pourrait gérer lui pour éviter un Zilliox. Là, le Zilliox il ferait vraiment mal de ouf. Le petit prep sprint Van Cleef du prochain tour, il fait plaisir. Ah, ça roule, Rick, je savais pas que c'était ça la raison. Bon, c'est cool de savoir que mon Tug survit. Sympa. Allez! Putain, hé. Hey. On était rang 3 depuis 20h, bah depuis le début du stream en fait. Ah non, on est passé rang 2 à un moment. On est passé rang 2. Wow! Incroyable. Bon, normalement, c'est la curse du rang 2. Hein. Donc, je suis passé genre rang 2. Attendez, regardez. Donc, là, je suis passé rang 2, j'ai perdu. Là, je suis passé rang 2. Ah putain, j'ai gagné, puis j'ai perdu. Ah, j'ai déjà gagné au rang 2, mais ça n'a pas suffi. Et là, je suis passé rang 2, j'ai perdu. Il jouait quoi? Je joue Wax. Ah, le bâtard. Il m'avait bien niqué d'ailleurs. NP City Games, merci. C'est quoi le code? Non, je te file le code. Je me repose un peu l'esprit là.
Non, j'aimerais bien être en 1 en vrai. Ce serait la classe. Tadadadadam. Non, je vais pas changer le titre. Calmez-vous, c'est pas grave. De toute façon, top 2, c'est top 3 en soi. Parce que le top 3, ça englobe le rang 1, le rang 2 et le rang 3. Donc le titre est bon. Si je suis rang 1, je ne laisserai pas top 3, évidemment. Je vais devoir des tags là, c'est ça? Ah non, c'est bon. T'es top 10 000 en fait. C'est ça, je suis top 10 000. Ah, c'est un voleur. Je suis pas fan des voleurs. Je suis à 5-2 contre voleur après quand même. J'ai la coin ou pas? J'ai la coin. Ceci n'est pas une main intéressante, monsieur. Oh là là, ça va mieux. Ok. Game Braco. Ah putain. C'est pour ça que le miroir est censé être mauvais. C'est la filoute. En vrai, si tu fais Mira très tôt et que tu peux la jouer, tu gagnes. Mais bon, il faut pas qu'il tue le tour même, quoi. Ça m'est jamais arrivé, jusqu'à maintenant. Comme ça, vous le savez. Bon. Pourrait refaire un pillage, ça serait complètement incroyable. Hello bro, t'as l'air heureux, ça fait plaisir. C'est parce que t'as picolé ou c'est que tu es épanoui? J'ai pas picolé. Bon, c'est cool parce que du coup on va remonter le limon, c'est ça? Je crois qu'on est content de remonter le limon là. À moi de rendre justice. Au pire, je peux juste le rejouer next turn pour comboter peut-être le voyou, on verra bien. Ah, c'est à gauche. Pour le loup alpha, my bad. Je crois que je vais le garder le limon. Je suis ok dans la game. Si je fais le pillage numéro 2, je vais récupérer corsaire et matelot. Donc il est très intéressant le pillage numéro 2 actuellement. Quel loup? Le loup alpha. Pas grave. Sang et
Je vais garder mon arme actuelle. Parce que je pourrais très bien faire Vertepeau plutôt que Pioche Cire. Vertepeau est beaucoup plus développant. Ah donc là on peut limoner. Ça sent bon. Si t'as la coin, tu l'utilises T2 pour le voyou. Ça dépend du scénario, mais pièce voyou, c'est très souvent bien, ouais. Bon, je pense pas qu'on passe top 1. Mais peut-être. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un prep élément instable? La confrérie prépara. Je capitule. Par contre, la prochaine là, je sais pas. Peut-être. On attend une petite trentaine de secondes parce que là, il va partir sur son guerrier tranquillement. Je vais pas me faire avoir comme ça, moi, je te le dis. Après, les guerriers, ça va, mais. Fais voir un peu. Ça, c'est mon résumé d'aujourd'hui. Et j'ai joué. Ça compte. Ça compte démoniste et mage, donc à la rigueur. Attends, je vais faire spécialement rogue. 67% win rate. Là j'ai 4-0 les mages. Il va taguer un 3002. Donc c'est quoi mon pire matchup? C'est démoniste. Non, c'est marqué. Attends, c'est marqué que je suis à 3-0. Comment est-ce qu'il faut le voir ce graphe? Ah mais ça c'est pas les mêmes stats que là en fait. Qui est top 1, il s'appelle Babelbox le top 1. Vous pouvez aller voir qui est top 1 avec le graphe interactif. Je vais vous le linker si vous voulez. On va voir. Voilà. Ok, j'ai vu guerrier bombe lui aux dernières nouvelles. Hein. Le limon contre un guerrier bombe à la rigueur, mais je pense pas. C'est cool d'avoir la coin. Il n'y a jamais eu d'exec dans son guerrier bombe sur toutes les games que j'ai fait contre lui. Donc on pourrait yolo un cliff. On va faire un cliff. Peut-être qu'il a switch et qu'il a repris son guerrier contrôle par contre.
On va faire la 5-5 ruée pour manger Cliff. Ça se tente pas du coup parce que s'il la casse, on remonte au cliff. À moi de rendre justice. On a un Leroy pas de l'ombre next turn si on a envie. Donc là, je peux faire la pioche. Je vais garder le poison. Je vais garder le backstab aussi. C'est pas très menaçant ça. C'est l'héros qui tombe. Pas de l'ombre sur Ziliax, backstab sur Ziliax, c'est vraiment très intéressant. Boum, ça le fait passer à 16. Allez. Fais-moi passer le joli top 1 légende. Allez. Allez, on y va. Hop là. Allez, où? Bon, normalement, la prochaine, elle passe.